Donc là, ça y est, on est arrivé au Teche et on va aller se promener. Il y a un petit lac artificiel et il y a un petit jeu juste à côté. Et on va peut-être aller voir les chevaux juste après, avec la petite. Nous, du sable. Voilà la coiffure de folie de modeste. Non, mais c'est parce qu'on a le vent derrière. Zoom sur la petite crête. Magnifique. Attention. Voyons le père s'arrêter. Père demi-tour. Va-t-il prendre un autre chemin? Il revient vers sa femme. Le mari est perdu sans sa femme. Il revient donc vers sa femme. J'étais perdu. Oh. T'es vraiment chiant. Tu viens de me le faire louper ma prise. C'était pas toi que je voulais filmer. Sors, ouste du balai. Et voilà. Donc là, nous sommes au Teche en train de nous promener. Il fait soleil. C'est très rare en ce moment. Enfin, on a eu un hiver quand même assez long là. On espère quand même voir un peu plus de soleil bientôt. Tout à l'heure, ma femme disait qu'elle voulait voir plus de rayons de soleil. Mais le truc, c'est que en fait, elle en voit tous les jours. Elona, où est-ce qu'elle m'emmène? Elle est bloquée quoi. Non mais chérie, tu passeras pas là. Quel est votre ressenti par rapport à cette sortie familiale? Il se mouche. Monsieur papa, elle est en train de tomber petit à petit. On va totalement... Oh, modeste! Da. Da. Da, yes. Oui, Elena. Les chevaux, ça sera pour une autre fois. Il y a un fossé. Au revoir, maman! Attends, je vais sauter. La particularité ici, c'est que il y a des gros trous. Donc avec la poussette, c'est particulièrement chiant. Donc ça fait 10 minutes qu'on marche. Et puis, parce que là, il y a les chevaux juste à côté. Mais bon, avec un fossé, ça va être compliqué, quoi. Alors certains me diraient, enlève le bébé, prends la poussette, balance-la de l'autre côté et tout. Ouais, mais c'est pas la poussette. Le problème, c'est ma femme, en fait. Elle sait pas sauter. J'ai couru un peu et la petite était morte de rire. Ah. Oh là là, regardez-moi ce magnifique blanc. Oui, je voulais vous dire, je suis désolée pour ceux qui regardent cette vidéo. Ils sont les proies de la fascination de Modeste pour les glands. Un truc très bizarre, mais il est très bizarre. Je t'invite solennellement à rejoindre le club des glands. Eh oui, c'est le plus grand club du monde.
Ah! Oui. Ah! Voilà, donc là en fait il y a un petit problème, c'est que la dernière fois je suis allé chez ma belle-mère et j'ai mes chaussures en fait qui ont craqué quoi, donc je sais pas si ça a un lien direct, mais voilà, et maintenant je porte ceci. Je disais à ma femme, le problème c'est que ça fait trop homme et que voilà quoi, j'ai pas l'habitude. Et le bébé derrière. Non bébé, je vais pas faire l'homme. Bon ben là on est samedi soir. Et je savais pas si j'allais sortir la vidéo ou pas, parce que c'est vrai que la sortie en elle-même a pas été ouf quoi. Et donc là finalement je me suis dit allez je vais la faire. Donc on est samedi soir, je fais le montage là. Et je voulais faire la conclusion. Donc voilà, je fais un petit point de proie aussi. Hop. Et ouais, y a, cette semaine en fait il y a la petite qui a eu ses vaccins. Enfin, elle a eu d'autres vaccins, donc bon, elle n'a pas eu de fièvre, donc on a eu un peu de chance. Et tout le début de la semaine, il a plu, il a fait vraiment pas beau. Donc on a fini un peu en retard. Voilà, et nous, là-bas, on va aller ouvrir, enfin, on va aller chercher les œufs avec Elona. Le premier pack d'Elona. Ouais. Donc voilà, on vous en dit pas plus. Enfin, non, le deuxième, mais le premier, elle était... Non, le premier, ouais, on n'a rien fait du tout. On n'avait rien fait. Non, on n'avait rien fait. Enfin, non, pour le... On avait rien fait avec la petite quoi, elle était nourrisson. Donc voilà, et nous on vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ouais, je vais pas